À l'essentiel. Bonjour, je suis Kirk Bayama, bienvenue au deuxième épisode de la série sur le harcèlement de rue. Dans cet épisode, nous allons parler de l'éducation, de comment les hommes réagissent face au refus d'une femme et surtout qu'est-ce qui pousse certains hommes à outrepasser la frontière qu'il y a entre la drague et le harcèlement. Sur le volet éducation, j'ai demandé à quelques hommes croisés dans Paris de me dire si leurs parents leur apprenaient à comment se comporter en société envers les femmes. Dans mon cas, aucun de mes parents ne m'avait dit comment se comporter envers les filles. Et pire encore, j'ai grandi dans un quartier où le machisme était à son paroxysme, où l'homme avait les pleins pouvoirs sur la femme. Dans le quartier, quand un grand draguait une fille, il était logique que celle-ci accepte, dise oui. Sinon, ça allait mal se terminer pour elle. C'était ça mon modèle et c'est comme ça que j'ai grandi. Il a donc fallu que je voyage, que je lise des livres, que je rencontre de nouvelles personnes pour comprendre qu'une femme a le droit de dire non à un homme. Mais entre comprendre cela et passer à l'acte, c'est deux choses complètement différentes. Je vous invite donc à suivre ce micro-trottoir et je vous dis à tout à l'heure. À l'essentiel. J'ai jamais essayé de discuter avec mes parents. C'est trop gênant. C'est gênant. Pourquoi ? Bah, je sais pas, c'était gênant de parler comme ça avec ma mère ou mon père. Malade ! Jamais je ferais ça. Je peux parler avec ça, genre avec mes potes, ma famille, genre mes cousins, mon frère. Jamais avec ma mère ou mon père. Je suis tout le temps avec une pote à moi et elle se fait tout le temps draguer. Donc en fait, je vois comment les gens, ils forcent. Tu vois. Et genre, il y a des gens, ils sont sympas et il y en a qui sont forcés. Donc je sais comment, je vois le côté aussi de la fille, tu vois. Comme je suis tout le temps avec elle, je vois toujours le côté de la fille. Donc je sais comment elle va le percevoir. Donc je vais pas forcer moi aussi, je vais pas forcer. Parce que je sais que c'est gênant. Il faut dire que honnêtement, j'ai bien entendu reçu l'influence de mes parents, de l'éducation de mes parents, particulièrement de ma mère. Voilà, donc elle nous donnait des conseils dans le style, il faut y aller avec diplomatie, il faut apporter des fleurs, il faut faire des poèmes. Non, pas spécialement. Je me souviens pas en tout cas m'être posé avec mes parents et qu'on ait eu à aborder ce sujet, parce que ça s'est toujours fait très naturellement. Homme ou femme en fait, c'est pas une question d'aborder une femme, c'est la question d'aborder une personne en fait, d'aborder un être humain. Mes parents m'ont assez peu éduqué à la chose, j'ai fait mes armes un peu tout seul, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai été éduqué, j'ai reçu une éducation absolument impeccable. On m'a éduqué au respect de l'autre, plus qu'au respect de la femme en particulier. J'ai simplement appliqué les valeurs que mes parents ont pu m'inculquer, je l'ai appliqué à la relation avec la femme. Moi, on m'a dit, en gros, de ne pas parler aux gens dans la rue, il ne faut pas les déranger, tout ça. Et pourquoi ? Je sais pas, déjà, parler à une fille. Mes parents, ils m'ont jamais dit, ouais, ils m'ont jamais autorisé à parler à une fille, je sais pas, ou dehors, tu vois. Ça fait animal, je sais pas, c'est bizarre. Et c'est à quel moment que t'as commencé à parler aux filles dans la rue? Bah après t'as... Non, pas dans la rue, moi je parle pas aux filles dans la rue, moi. En cours, réseaux sociaux, tout ça, mais pas... J'ai pas eu de dire ouais, je suis à dehors, je vais pas l'attraper le bras, c'est comme ça, tu vois. Bah, par rapport en fait à ce qui était bien ou pas bien de faire, c'est-à-dire ce que par l'exemple on m'avait inculqué. Donc du coup, ne pas se comporter de façon impolie, ne pas forcer. Et puis ensuite, comment dire, peu à peu par expérience. Donc bon, il y a aussi la sensibilisation par les médias extérieurs. Ma mère lisait des journaux féminins, donc je les lisais aussi. Moi, c'est surtout ma mère qui m'a appris à respecter les femmes. Et mon père m'a mis quelques claques parfois quand j'étais dans la rue et que je faisais des réflexions à voix haute, etc. Donc je pense que c'est mes deux parents qui m'ont inculqué ça. Bon, mon père me disait de respecter les femmes comme je devais respecter ma mère. Donc une fois, j'ai dit dans la rue à une fille qu'elle était bonne et mon père m'a... Ça a mis une claque. Bon, je peux dire, moi, dans ma famille, vraiment mes parents, c'était non, parce que je ne pouvais pas le faire. Vu que nous, on est nés dans une famille chrétienne, nos parents vraiment avaient vraiment lapidaire de nous dire de telles choses. Ils ne pouvaient pas nous dire ça parce que si tu sors avec une fille, et dans leur tête, ils voyaient que non, elle peut tomber enceinte et que non, ça peut dégénérer. Non, mes parents m'ont jamais dit ça. Jamais. Même une fois, ils n'ont jamais dit. Tu sais, quand on veut draguer une fille, si on se sent capable de faire quelque chose avec la fille, tu peux draguer. Mais si tu te sens incapable, inutile de draguer une fille. J'ai pas eu d'éducation paternelle. Ensuite, j'ai vécu avec ma mère et ma sœur.
avec une sœur légèrement plus âgée que moi, qui a connu sa crise d'adolescence avant moi, qui a eu des copains, etc. J'ai eu la chance d'avoir énormément d'amis filles qui m'ont beaucoup appris, en fait, parce que c'est-à-dire que quand on écoute les filles parler et qu'on s'en inspire, on comprend beaucoup mieux leurs ressentis. À l'essentiel. J'aborde assez peu des femmes dans la rue. Je suis pas trop du genre à faire de la lèche dans la rue. Les petits regards peut-être. Les signaux sont très clairs en fait. Quand en boîte de nuit ou dans un bar. Merci, c'est gentil. Je me rends compte que la femme en face de moi n'est pas intéressée ou qu'elle est avec ses copines, qu'elle a envie d'autre chose, qu'elle est déjà avec quelqu'un peut-être. Les signaux sont clairs, il n'y a pas besoin d'insister et puis je passe à autre chose et puis tout simplement. Si je n'ai pas une fille, une refuse, pour moi ça me fait mal parce que j'ai tapé à côté. Ça me fait mal. Donc tu as raté l'occasion. Donc moi d'habitude quand je me grandis, si un film me refuse comme ça, c'est un ennemi à vie. J'essaie de ne pas avoir, moi personnellement, de ne pas avoir de l'animosité ou de la rancœur ou de la haine ou tout ce qui peut m'éloigner de cette personne-là. Bah déjà, dans les relations, moi je suis assez timide, donc ça m'arrive pas très souvent d'aborder les filles. Moi, si une fille me dit non, ne serait-ce que par rapport à mon ego, je lâcherais de toute façon l'affaire. À l'essentiel. Non, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment faites par rapport à ça. Et même vous regardez, même au niveau de. Au niveau par exemple de la publicité et tout, on est quand même dans une société où c'est un peu la femme objet quand même. Ouais. Regardez que certains arguments pour entre guillemets attraper les gens dans des buts de commerciaux ou des choses comme ça, c'est souvent la femme. Voilà, on met souvent. Même pour vendre des produits, quoi, on place souvent des femmes. Des femmes en petite tenue. Pour attraper l'œil, des choses comme ça, voilà, c'est ça. Et on en fait un objet. Ouais, c'est ça c'est clair que c'est hyper présent en fait. Mais là encore, c'est plus large que le simple problème de la réification de la femme, c'est la réification de l'être humain, tout simplement. C'est la société de consommation capitaliste qui fait que l'homme devient une marchandise, que le travail de l'homme devient une marchandise et que le corps même de l'homme et de la femme, évidemment, je dis homme comme terme générique avec un grand H, devient un objet après, de consommation, ouais. Un objet de production et ça c'est un problème bien plus global. Ouais, on est dans une société assez patriarcale quand même et puis il y a quand même... Enfin, il y a des gens qui sont quand même assez conservateurs. Enfin, vous regardez les affaires qu'il y a eu récemment là, avec le Denis Baupin, là, les affaires de harcèlement. Et au final, les femmes qui ont témoigné, elles ont témoigné pour dire que en fait, c'était hyper courant et que ça se faisait énormément. Dans les milieux du pouvoir, oui. Énormément de chantage par rapport au statut, par rapport à des postes, des choses comme ça. Et ouais, c'est clair que c'est hyper présent. Nous, on voit pas forcément ça parce qu'on a. Oui, voilà, on n'a pas vraiment de pouvoir comme peuvent l'avoir ces gens-là. Donc, il y a une relation aussi bien particulière de l'homme qui a du pouvoir avec la femme, ouais, qui a du pouvoir sur ses concitoyens et qui ne comprend pas pourquoi sa secrétaire lui résiste. Déjà, le phénomène de harcèlement de rue, je pense qu'il y a 5 ans, on ne savait pas tout ce que c'était, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Le harcèlement de rue aujourd'hui, même, ça commence au niveau des élus à faire effet, à être pris en compte en France. En tout cas, on essaie vraiment de trouver des moyens pour sanctionner ce genre de comportement, même si c'est toujours dur parce qu'il faut être témoin, il faut avoir le courage d'aller porter plainte, il faut savoir contre qui on porte plainte, souvent contre des inconnus, donc on porte plainte contre X, enfin bon. On est dans une société où la femme est très souvent considérée comme une sorte d'objet en fait. Il y a des pubs, je veux dire, on est en 2016 et on continue aujourd'hui à sortir des pubs qui sont dignes des années 30 avec le mec assis à son bureau pendant que la nana derrière en culotte et en soutif fait le ménage. On est dans une société qui fonctionne beaucoup comme ça. Les pubs sur les abribus, c'est toutes des meufs en maillot de bain qui sont foutues, qui sont des mannequins en fait, qui ressemblent à rien de la réalité en fait. Des filles normales qui ont leurs défauts, etc., qui sont des filles très retouchées. Je trouve qu'on met trop en avant l'aspect sexuel de la fille. Nous voici donc arrivés à la fin de ce deuxième épisode de la série sur le harcèlement de rue. Nous constatons que les parents ne prennent pas toujours le temps d'expliquer, d'inculquer ces règles de savoir-vivre aux garçons. Je parle bien des garçons parce que nous sommes dans une société où c'est souvent l'image du mâle dominant qui l'emporte, qui est mis en avant. Du coup, le garçon grandit avec une fausse idée selon laquelle
Sa qualité de garçon fait de lui un être supérieur à une fille. Si en cours de route ce mal n'est pas corrigé par l'école, par les rencontres ou par les médias, nous obtenons alors des hommes qui sont prêts à tout moment à outrepasser les règles de savoir vivre. Lors du micro-trottoir, j'ai découvert un aspect que j'ignorais totalement. Pour certains hommes, les publicités qui montrent la nudité des femmes pour vendre un produit renforcent l'idée selon laquelle la femme serait un objet. Ce qui, de surcroît, fait croire à certains hommes qu'ils sont totalement dans leur droit d'outrepasser le refus d'une femme, c'est-à-dire de forcer et de se mettre dans une situation de harcèlement. Dans notre prochain numéro, nous allons rester sur l'aspect éducation. Nous irons à la rencontre des parents pour essayer de comprendre, de savoir comment ils éduquent leurs garçons à se comporter envers les filles. Je vous dis à très bientôt dans un prochain numéro. Ciao. À l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel.